Bonjour à tous, Emmanuel Vendette, rédacteur en chef de Multicoque Mag. Nous sommes à bord du tout premier van R4. Nous sommes au sud de Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est une grande première pour ce catamaran qui est déjà commandé à 2 exemplaires. Son grand frère, le R5, est en cours de construction. 2 exemplaires en commande également. Et aussi un tout prochain R6. Ces 3 modèles, le même principe, c'est-à-dire une construction éco-responsable grâce à l'usage de l'aluminium et de matériaux recyclés ou respectueux de l'environnement. Et bien entendu, une motorisation électrique que vous entendez à peine. Terminé les essais en mer, on a eu un bon vent là, on a eu 15-16 nœuds de vent. On a atteint à peu près 8-9 nœuds sous le Jenneker. Et avec le foc autovireur qu'on vient de rouler, on était à 6 nœuds 5 au près avec un angle à 50-55 degrés du vent réel, ce qui est plutôt une bonne performance. Le bateau dérive très peu avec malgré ses quilles fixes. On avait une bonne sensation de barre avec très peu de jeu d'une barre à l'autre. Avec les 2 postes de barre, donc un bateau qui a un bon potentiel de vitesse avec un déplacement plutôt limité pour un bateau en aluminium puisqu'il fait à peine plus de 10,5 tonnes, ce qui n'est pas très lourd eu égard de la construction. Le van R4 est un catamaran au design assez innovant avec son arche à l'arrière et son bimini semi-textile. Les manœuvres se passent plutôt bien avec deux winch qui sont répartis sur une structure en V. Ça aussi, ça marche plutôt pas mal. Les 2 postes de barre, bon, ça on est plutôt habitué avec les Nautitech, les Excess, ça marche très bien aussi. Ce modèle est vraiment dédié aux propriétaires. C'est la raison pour laquelle il y a seulement 2 cabines, une dans chaque coque. Donc 2 cabines propriétaires identiques. Ça fait beaucoup d'innovation pour un seul catamaran. Un catamaran qui globalement est très convaincant avec beaucoup d'espace à vivre.